Vous regardez la Minute Info LSL, nous sommes le vendredi 29 janvier, bonsoir. Manifestation des artistes ce matin dans les rues de la capitale, une marche pour dire non au piratage mais aussi à la brutalité policière. Plusieurs demandes ont aussi été faites au gouvernement, les artistes réclament un Arts Council. Le rapport Entan fait état de la situation préoccupante qui existait au sein de la BAI. Comment le lever de fonds par le public à la BAI a été utilisé? Le gouverneur de la Banque centrale, Ramesh Bassandroy, a rendu public le rapport Entan ce matin. La juge Gayatri Jagesarman a agressé verbalement en cours. L'accusé Nasheruddin Tengor a proféré des injures à l'encontre de la juge. L'audience a été interrompue. Son avocat, Maître Assad Pirou, a demandé que l'accusé soit examiné par un panel de psychiatres. Pour rappel, Nasheruddin Tengor est accusé de meurtre. Jean-Patrick Marianne a participé à une reconstitution des faits hier. Ce récidiviste domicilié à Vallée-des-Prêtres avait braqué le supermarché Dream Price à Rosebel le 6 janvier. Armé et encagoulé, son complice et lui avaient menacé les caissières avant de s'emparer de 4 caisses contenant environ 100 000 roupies. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. L'information continue sur l'express.me.